Bonjour à toutes et à tous, amis, c'est Gaël de Toulon. J'espère que vous êtes en super forme, les copains. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Rush sur le gros compte. Vous avez vraiment eu des retours de ouf sur la vidéo d'hier. Vous m'avez gâté, donc ça fait plaisir, les gars. Ça vous a fait plaisir que je donne un objectif de 40 000 trophées. Il y a pas mal de frérots qui m'ont, de gros joueurs comme Aluxi, qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit on va t'aider à Rush, tonton. Donc ça fait plaisir, les gars. L'objectif, alors j'ai deux objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est de monter Belle, qui va me permettre de monter aux 40 000, en tout cas de m'y approcher. Et le deuxième, c'est les regardez-moi cette statistique, 8805 victoires en duo survivant, on approche les 9000. Franchement les gars, je sais qu'il y a toujours des mecs qui sont plus hauts que moi en France, mais je pense qu'on est carrément dans le top 10 français des joueurs qui ont le plus de victoires en duo survivant, et ça fait grave 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 plaisir. Donc j'espère que vous allez kiffer cette statistique. Oui, on est dans les statistiques en ce moment sur la chaîne, les gars, je suis chaud bouillant. En tout cas les gars, n'hésitez vraiment pas à m'exploser les pouces bleus. Faut quand même savoir les gars que le code créateur Gaël, n'hésitez pas à le rentrer, j'allais vous dire un truc les gars, mais code Gaël, et oui, j'allais vous dire qu'on est tout simplement à 24 heures à peu près de la vidéo de Squeak, hein. Donc en tout cas, c'est la prochaine vidéo que vous verrez, c'est le pack opening de Squeak, donc vraiment les gars, tenez-vous prêts, je vais essayer de vous gâter, je vais essayer de me faire plaisir, hein. Je suis égoïste avant tout quand même les gars, je me fais plaisir quand je fais des vidéos, mais si je peux vous régaler en même temps les gars, oui, autant se faire plaisir. Donc du coup, Feast of Famine, la map, on la connaît bien. Je sais pas s'il va vouloir jouer Tick le frérot. En vrai, c'est lui le boss. Je vais même pas le coacher. Il prend ce qu'il veut à Luxi. C'est clairement le. Enfin, c'était le boss du duo survivant. Maintenant, c'est mieux 3v3. Il est super fort. Mais je vais mettre prêt, les gars. Objectif, les 9000 victoires en duo survivant pour aujourd'hui. Et on a toujours des objectifs, les gars. Ça fait progresser. Voilà. Moi, je suis un petit peu obligé de me fixer des objectifs si je veux vraiment tryhard fort fort. Comme en Coupe League, quand on se partira en Coupe Star, les gars, il faudra vraiment qu'on se fixe un gros objectif pour essayer de se motiver à fond. Et je pense qu'on peut faire du sale, en vérité. J'ai fait pas mal de games en solo pour l'instant, et franchement, les gars, je me suis baladé. Je suis sûr que quand je vais lancer le rec, je vais perdre. J'en suis presque sûr de ça. Enfin, du moins, je vais faire quelques loses, mais pourtant, pour l'instant, c'est vraiment la promenade de santé. Ok, 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 tonton, il est pas mal, il y a une Tara par là. Normalement, la Tara, elle devrait se faire éclater, a priori. On va quand même mettre des pièges au cas où le mid a envie de sortir vers nous. Mon petit frérot, il est où, là? Il est sur une équipe, là? Il y a une team en haut, j'ai pas du tout vu. Le frérot, il est plein d'émotes. On s'est fait une battle d'émotes, les gars, c'est un truc qui veut rien dire. On était dans le chat et on commençait à s'envoyer nos plus belles émotes. Voilà, c'était un concours d'émotes. Voilà. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je l'avais déjà dit depuis 150 ans, est-ce qu'on se ferait pas un top 5 des plus belles émotes? Je sais pas. En vérité, j'ai envie de le faire depuis 6 mois, cette vidéo. C'est comme la vidéo des skins, j'en parle depuis 10 ans et j'ai mis 2 ans à la faire. Je pense qu'en vérité, on s'en fera une à T4. Ouais. J'attends de débloquer encore quelques émotes et on s'en fera une au bon moment. En tout cas, pour l'instant, la game se passe plutôt pas mal. Je me trouve pas mauvais sur Belle, les gars. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je me trouve correct. Voilà, je vais me faire éclater forcément quand je dis que je suis pas mauvais, les gars. Vous connaissez les bails, hein, je me porte malheur, voilà, faut que je me teste. En fait, faut que je fasse des vidéos silencieuses. Alors, Aluxi, si c'est le boss, il m'attend pour pas pour prendre les pots, en tout cas. Comme ça, je peux récupérer des caisses, enfin, les petites popos. Qu'est-ce que je dis, les gars? Je suis perdu. C'est ma première vidéo, je suis déboussolé. En vrai, je suis un petit peu embêté parce que j'ai mes filles qui dorment, les gars. Et j'ai envie de gueuler, de faire une vidéo pleine d'entrain, et je peux pas trop me permettre. Alors là, je fais un truc qui est débile. Mais je vais mettre mon frérot pas trop mal et je meurs pas, ok. Je m'attendais à mourir, en vérité, on est même pas mort. Ok, 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 je vais régène, je vais me concentrer un petit peu. C'était la game de chauffe, les gars. J'ai envie de vous la cut. Ah, j'ai envie de vous la cut, mais non, je vais pas vous la cut, quand même. Mais j'ai envie de vous la cut parce que j'ai dit un peu n'importe quoi, mais les gars, ok. Aluxi, lui, s'est mis en pilote automatique. Le mec, il conduisait un Airbus, il a activé le pilote automatique, il se tapait une sieste, au calme. Donc on voit quand même que ça gagne, même s'il est un peu plus haut que moi, le frérot. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'avais dit qu'aujourd'hui, on ferait peut-être une vidéo sur les quêtes, parce que j'en ai pas mal à remplir. Et ben non, j'ai changé d'avis, les gars. J'ai aussi une vidéo avec deux joueurs pro qui arrivent. Je dis pas les noms, les gars, mais la vidéo, elle risque d'être hallucinante. Mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus pour pas, voilà, pour pas trop vous spoil, mais à mon avis, vous allez kiffer. On joue à plus de 850 trophées. C'est le beau jeu, c'est le jeu qu'on aime. Ouais, j'ai repris des contenus sur le gros compte, les gars. M'en voulez pas, tous ceux qui me disent aussi, Gaël, le compte 504, t'as pas intérêt à laisser tomber et tout. Les gars, je laisse pas tomber, mais je peux pas, voilà, je peux pas jouer sur tous les modes non plus, vous comprenez, j'espère, en tout cas. Du coup, voilà quoi, on s'est compris. Moi, j'essaie de charger mon ulti au début, enfin, sur le mythe de la map, hein, ça marche absolument pas, les gars, hein, voilà. On est clair, il y a une Rosa, déjà, je pense qu'on s'en est rendu compte, tous. Alors, est-ce qu'il a pris le mythe, mon frérot? J'ai envie de mettre...
Je tente, hein, je tente. Je vais me faire éclater dans 2 secondes, mais au moins, je prends les pots. C'est pas grave, il y a un mec au mid, vous pensez, là, il y a un beau, ok. Moi, je mets mes petits gadgets au mid, les copains, vous avez vu, on est plutôt pas mal. Les gars, je vais vous raconter ma vie dans pas longtemps, mais est-ce qu'il y a des mecs parmi vous... Non, mais les gars, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est confession intime mes vidéos en ce moment. Est-ce qu'il y a des mecs parmi vous qui font du vélo, les gars? Du vélo de course. Ah ouais, je me suis pris de passion pour le vélo, les gars. On se prendra une petite place dans les commentaires et on parlera vélo de course. Vélo de route. S'il y a des passionnés, les gars, on se tapera la causette après les vidéos. Et m'inventez pas des mythos, les gars. Je compte sur votre soutien. Je compte sur vous, les gars. Je poste des photos de Strava. Je sais pas si vous connaissez cette application, Strava. C'est pas une vidéo sponsorisée du tout, les gars, mais je sais pas pourquoi je kiffe cette appli pour ceux qui font du sport. Voilà, voilà, c'est vie ma vie de tonton Gael qui se confie. Alors en vrai, là, on est quand même en train de lui mettre un peu la misère à lui, mais j'ai l'impression que je vais me faire éclater ou pas. Ok, ok. On l'a éclaté, frérot. On l'a éclaté. J'ai l'impression qu'ils ont pris le mid à gauche. Mon petit Aluxi, j'ai... Attends. Lui, je l'éclate. Et normalement, lui, il va mourir. Normalement, les gars... Ok, mais c'est facile, Brawl Stars, les gars. C'est facile, on peut même parler de promenade, de ce que vous voulez, de natation, de ce que vous voulez, du retour de Benzema en équipe de France. Ça fait plaisir, ça. Ça, les gars, ça fait plaisir. Est-ce que ça fait plaisir ou pas, les gars? Parce que moi, personnellement, je suis fan. Hein. Je suis fan, donc vous me direz. On en parlera, oui, on va parler de tout sauf du jeu en commentaire. Est-ce que vous connaissez l'application Strava, les gars? Est-ce que ça vous parle? C'est une application de sportif, les gars. Si vous courez pas, que vous faites pas de vélo, en général, cette application ne vous servira à rien du tout. Donc, je sais même pas quel âge vous avez, les gars. Peut-être que vous faites du sport en club, ce qui est probable même. Et peut-être que vous n'êtes pas encore dans le délire d'aller courir, je sais pas, une demi-heure, une heure ou quoi. Alors, les gars, on est pas mal. Je pense que là, il y a une Colette qui est par là, à mon avis. Vous croyez qu'elle s'est cassée où, là? Elle s'est sûrement barrée, mais je fais quand même gaffe quand on a... À mon avis, elle est là. Ouais, voilà. Je savais qu'il y avait un truc là. Je me suis fait défoncer. Ouais. Ok. La BA, elle est morte. La Colette, j'ai pas vu. Elle est partie à droite. Ok. Alors, c'était pas un start de fou, les gars. Mais on se met quand même pas trop mal avec les pots. Aluxi, il est en mode full spam et mode. Je sais pas ce qu'il a, mon frérot. Il est en pétage de câble. En tout cas, n'hésitez pas à les suivre. Aluxi, c'est vraiment la famille depuis très longtemps maintenant, le frérot. Et je kiffe ce petit jeune. Voilà. Il est toujours de bonne humeur. Toujours partant. Et on a un point commun, c'est qu'il déteste perdre. Ouais, je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on est mauvais perdant. Bah, c'est vrai, ça arrive, les gars, ça arrive. Attends, vas-y, j'essaie de me focus là, parce que ça fait 45 tirs que je mets, je tire à peu près partout, sauf dans le bon endroit. On s'est fait voler les pots, les gars, clairement, on s'est fait victimiser. Il y a un beau qui est en train de charger, on lui pète sa tourelle. Est-ce qu'on va pas se faire péter la gueule par le bas, les gars? Vous en pensez quoi, là? Est-ce que vous pensez qu'on a de la chance de se faire exploser par le bas? Moi, j'aime pas trop la position qu'on a, là. Quand il y a des buissons comme ça, on a aucune visu. Aïe, 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 ton. Ok, je régène. Promis, je régène. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont crié « Régène !» Je régène, les gars. Détendez-vous, tranquille, ça va bien se passer. On fait un peu les fous en même temps. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en duo survivant sur le gros compte. Donc voilà, on a le droit de faire des erreurs, les gars. Oh, calmez-vous, hein. Il y a un boule par là, il y a Stu. Ah, je suis à 2 tirs loupés pour le Stu, les gars. Ah ouais, d'accord, ça nous... Ok, c'est nickel, ça en fight à gauche. J'avais dit que la position, je la sentais pas, les gars, je vous l'avais promis. Je vous avais dit, les gars, la position, elle est éclatée, les gars. Il y avait des mecs qui pouvaient venir du bas, de la gauche, de la droite, c'était compliqué. Voilà, on a une excuse, c'est pas vraiment de notre faute, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire, les gars, c'est de la faute du jeu. Voilà, je pense qu'on sera d'accord. J'espère, les copains, en tout cas, vous allez me défoncer les pouces bleus si vous voulez qu'on continue comme ça. Continuez les 40K, continuez comme ça. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir le soutien. Parce qu'en vérité, c'est cool, c'est que peu importe les sujets qu'on traite, c'est-à-dire des trucs légers comme le pack opening, ou des sujets qui me tiennent un petit peu plus à cœur, voilà, comme le rush, hein, vous savez que je suis un compétiteur, moi. Et du coup, j'aime bien que le soutien soit là, voilà. Alors. Il y a un beau par là... Ok, il va mourir, ce qui est cool, c'est qu'on passe à 3. Ah, le logo, les gars, on n'en avait pas encore parlé. On allait presque faire une vidéo sans le logo. Non, il est là, les gars, détendez-vous, tranquille. Le logo, il est là, il y a peut-être un mec caché en haut, c'est pour ça que je tire dans les buissons, je suis pas devenu gaga. Ne vous inquiétez pas, alors en tout cas, il y a une Elisa qui est rentrée au mid, ça m'arrangerait qu'elle se fasse des pop, là. Elle fait respawn son frérot, qui doit être du coup un beau, c'est ça. Ouh là, les gars. Ouais, ça c'est parfait. Parfait. Parfaitement joué d'Aluxi avec le nouveau gadget que vous connaissez. Lui. Alors, est-ce que je joue les pots ou pas?
Aïe, 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 j'aime pas qu'on se fasse mettre à l'amende comme ça. On a encore 4, les gars. On a vraiment pas le droit de faire une deuxième défaite d'affilée. Autant une, c'est pas grave. Dans une vidéo, faire une défaite, c'est pas grave. Autant en faire deux, ce serait gravissime, les gars, pour l'avenir de la chaîne. Oui, ça remettrait tout en cause. Non, je rigole. Ça remettrait rien en cause, bien sûr. Mais il faut se fixer des objectifs. Comment ça se fait? Ah, je sais que ce que je fais, c'est pas cool parce que j'abandonne Anouxia en vrai. Ouais, je sais, il va me le reprocher, ça, par contre, il aura raison. Je l'ai laissé tout seul. On va rester caché là. On va le faire respawn. On va essayer de gratter un top 2. Un top 2 d'escroc pour cette fois, les gars. Et je vois personne pour le coup. Tant mieux. Tant mieux. Ah, faut que j'ai forcément la météorite dessus. Il y a une ambre qui me remonte dessus, les gars. Alors, on y va. On y va, les gars. Aïe, 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 les gars. Ambre, ambre. Ok, Ambre... Ok, on est en duo, je suis mort, Aluxi, il faut carré. Il faut carré, frérot, tu peux le faire, ah, c'est un petit peu compliqué, quand même, la tâche qui lui est donnée, là, j'avoue que c'était un petit peu mort, mais en vérité, c'est pas grave, les gars, il a quand même rempli son objectif, qui était de nous faire prendre des trophées, voilà, enfin, plus 7, on a 646 pour l'instant, tout se passe bien, j'ai aussi envie d'acheter le skin de Nita, et d'acheter tous les skins, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai laissé monter autant de gold sur ce compte, ça n'a aucun intérêt, 264 000, je pense qu'on va absolument tout cramer, pareil, est-ce qu'on se fait pas des vidéos exprès, je sais pas, ouais, j'ai bien envie de le faire, j'ai surtout envie d'avoir le spike, le jean... Or massif, parce que je les trouve vraiment trop beaux. Alors, Aluxi, il essaie de charger sa tête sur le mid. On voit déjà qu'il y a une Rosa par rapport au gadget qu'on vient de voir, les gars. Alors là, je vais récupérer ça. Il y a un Korbach. Ok, Korbach décédé. Est-ce qu'un mec va le push ou pas? Moi, je vais récupérer la popo. On a 3. Alors, il y a la Rosa, elle est où, les copains? Là, pour l'instant, on l'a pas vu. Il y a le logo qui me gêne pas. Moi, tant que le logo s'affiche, le logo Wi-Fi, et qui me gêne pas, ça ne me dérange absolument pas, les copains, bien sûr. Ouh là là, il a en spo, il est sérieux? Comment c'est possible d'avoir en spo? Alors, j'ai perdu mon petit frérot. Franchement, pour l'instant, on touche vraiment bien. On touche vraiment bien, les gars. On touche vraiment bien, les gars. On est des monstres. Franchement, ah, vas-y, vas-y. Faut que je dise ça pour que je touche plus. Mais en vrai, on n'est pas trop mal. Faut qu'on reste à distance, les gars, sachant que... Ok. Je suis focus, les gars, m'en voulez pas, là, c'est une vidéo silencieuse, là. Alors, on fight la team qui a le plus de pot, c'est totalement débile de notre part, on est d'accord, hein. Faut bien sûr fight la team intermédiaire. On a l'Oxy peu cher, il s'est pris une patatose. Attends, je vais me faire coincer, là. Je vais me faire coincer, les gars, non, mais je le sais, en plus, c'est pas faux fight, je vous le dis. Il y a une team de planqués, là, dommage que ça m'ait quitté la game, je vous aurais montré qu'il y avait une team qui était planquée, qui avait sûrement rien fait de la game, et qui se retrouve, je crois qu'il va changer de brawler, le frérot, non, il a envie de changer. Mais faut toujours fight la team intermédiaire, la team qui a 14 pots, elle va top 1, on peut rien y faire, c'est comme ça. À la limite, s'il y a un mec qui a 14 pots, l'autre qui en a 0, 2, 3, pourquoi pas. Mais là, quand elle est 214, c'est absolument impossible de retourner la game, attention. Attention qu'on n'aille pas se faire défoncer. Tac, il nous fait une popo de plus. C'est gentil à lui. Merci à cette Nita au grand cœur. Ça régale les copains. Alors. N'oubliez pas qu'on doit parler à la fin de la vidéo, les gars. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas. Parce que je vous connais, vous. Je vous connais, vous allez m'oublier. Vous allez rallumer le jeu. Vous allez commencer à tryharder. Surtout que c'est ma map préférée, celle-là. Famine ou Festin, c'est vraiment une map que je kiffe fort fort. Il y a un search par là. Je touche pas mal. Je trouve que je touche pas trop mal. Vous me direz en commentaire. Je trouve que je touche pas mal. Ok, ça meurt. On va récupérer cette popo. On est à 7. Vas-y, c'est un top 1. C'est enfin un top 1. Là, on a eu 2-3 games un peu compliquées. Aluxi, là, l'émote, il est fou. Il se met toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, il se met son émote. Alors, les copains, on est pas mal. On est pas trop mal. Ouais. Alors. Ok, on va réussir à l'avoir. Après 4 heures de bagarre, on va réussir à l'avoir. En tout cas, on n'est plus que 3, on a 9 pots pour l'instant, c'est nous les favoris. Je pense même qu'on peut tenter le mid en vérité. J'aurais kiffé que sa tête, elle parte au mid. Alors là, il est en train de se... Je vais leur mettre des petits gadgets, les gars. Je tente un corps à corps avec Belle. C'est bidon. Ouh là là, les gars. Je suis mort et en plus, je leur file... Ouais, je sais pas ce qu'il va faire le frérot, mais à mon avis, là, c'est compliqué, hein. C'est un peu compromis. Il a touché avec la tête, c'est bien joué de sa part. Putain, c'est tellement dommage que je sois mort comme ça. J'avais pas imaginé qu'un costaud pouvait sortir aussi vite. Ok.
Seamer, on est bien. Seamer, on est vraiment très très bien. Oh là là, il faut les prendre. Oh, le Aluxi, quelle machine de guerre, le frérot. Avec son émote. Il a son émote, il nous la met à répétition. Le frérot, il est vraiment là. Putain, ça fait combien de temps? C'est 15 minutes qu'on rec, les gars. Franchement, je suis chaud. Je suis chaud comme Jaja. Vas-y, veux relancer en relance, en relance. C'est une vidéo un peu plus longue que prévu en même temps. J'ai dit, je pense que dans le titre, ça va être un objectif 9000 top 1 en duo survivant. Donc, bah oui, donc en vérité, il faut quand même tryhard. On peut pas se permettre de le faire à la cool. Il faut y aller fort fort. Alors, je vais quand même semer des petits gadgets comme ça. Il y a un Korbak à droite qui a l'air AFK. On va essayer d'aller le défoncer, histoire de se mettre une caisse de plus. Il s'est déjà fait laver ou pas? Ok, il y a un Edgar qui l'a fumé. Il y a un boule par là. Alors, attention quand même, je fais le malin là, les copains. Mais s'il me saute dessus, il y a vraiment, vraiment le feu. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait, frérot, là? Alors, j'ai pas vu ce que faisait... Il me fait très, très peur, Luxi. Il me fait très, très peur sur cette game, là. Franchement, on touche pas mal, mais j'ai... Attends, attends, je me concentre. Oh, j'ai tué les deux. Oh, mais non, mais j'en ai marre de me faire tout le temps voler mes trucs, purée. Je me fais tout le temps voler mes caisses. Oh non, je vais mourir dedans, non. J'ai eu peur. Franchement, ça me rend fou, parce que, putain, on serait trop bien, normalement, on fait les kills, il y a des mecs qui sortent du mid, là, ils nous volent... Il nous vole le 4h, les copains, on n'est pas respecté dans le jeu. Alors, Emery, il est en train de taper un... C'est le cousin du Sandbolt, le mec. Oh, il a tapé un sprint, frère. Ouais, je vais mourir ou pas, là? Est-ce que je vais mourir? On l'a bien touché pour l'instant. Franchement, je le sens pas du tout. Je savais qu'il allait me faire une escroquerie. Je meurs, malheureusement. Top 3, putain, faut pas qu'on fasse top 3, là. Franchement, les gars, on n'a pas intérêt. J'espère qu'Aluxi va réussir à débloquer sa tête rapido. Parce que, on va dire que face au Edgar, ce sera un petit peu mieux. Il y a une team de planqués. Les gars, il y a une team de planqués. Oh là là, le Korbak. Ok. On a une popo de plus. Ok, on est en duo. Il va nous sauter dessus, c'est sûr. C'est bien joué. Franchement, les gars, les copains, là... Oh, il est à 200 PV, le frérot. Il est à 200 PV, lui. Putain, il a 19 caisses. Oh, oh mais les gars, comment il a fait? Il a farmé les caisses où, lui? Il est nul, en plus. Il est trop facile à pré-shot. Oh là, les gars, oh là. 19 popos, franchement, ils nous auraient foncé dessus, les gars, comme un gros bourrin. Ils nous auraient défoncé. On a combien de victoires en duo, les gars? On a 8809. Ouais, non, c'est pas encore les 9000. Hein. Calmez-vous, les gars. Là, va falloir que je tryhard fort fort. Hein. Après, vous me direz, il y a Squeak qui sort bientôt. Donc, en vérité, on va pouvoir faire du duo avec. Et essayer de gratter, je pense, une bonne cinquantaine de. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Une bonne cinquantaine de top 1. Faut que je reprenne un peu le duo. C'est vrai que sur les petits comptes et sur le gros compte, c'est quand même vraiment pas pareil. Sérieux, les gars, je vous jure que c'est. C'est vraiment pas la même chose, donc faut que je reprenne un petit peu l'habitude de me reconcentrer, même si là on n'est pas super haut, mais faut que je reprenne l'habitude de me reconcentrer, ouais. Tout simplement, pour remonter des brawlers 1000 aussi, j'ai promis que j'allais le faire. Ok, lui il avait apparemment pas le gadget, c'est bizarre, pas le bouclier, il y a un Byron par là, est-ce que c'est eux qu'il faut fight? Ben, la réponse est oui, clairement. Oh là là là, non, j'ai mis un gadget, frérot. Attends, je vais essayer de me faire oublier, là, les gars. Attends. On peut le soulever. Oh là là, Nita morte. Attends, j'espère qu'il n'y a personne au mid, les gars, qui va me sauter dessus, là. Ok, on a 5 pots, on est pas mal. J'ai même pas vu ce qu'a fait Aluxi, est-ce qu'il a fait le kill ou pas. J'ai pas vu, mais en vérité, je pense qu'on peut lui faire confiance. Lui, le mec a voulu faire le malin tout à l'heure, c'est toi. C'est toi, frérot. Bah viens, t'inquiète pas. Viens, on t'éclate, frérot. Nous, c'est comme ça, nous. Il a voulu me tuer, le mec. Heureusement que j'ai mis le gadget et je me suis... Attends, je me concentre. Oh non! Mais pourquoi je vais dessus en plus? C'est tellement mal joué de ma part. Oh! Je suis pas mort. Les gars, j'ai carry de ouf. J'étais persuadé que j'allais mourir 10 fois. Ok, tonton, il est là. Tonton, c'est le comeback. C'est le comeback du Phoenix. C'était qui disait ça, le comeback du Phoenix? C'était pas Moundir dans... Non, je sais plus que c'était, les gars. Ah, je suis vieux maintenant, moi, je vous sors des références, là. Vous devez même pas savoir qui c'est Moundir, quoi. Alors, lui, normalement, ça va. On le one-shot. Lui...
Attends, je me fous. Je suis vraiment concentré, les gars. J'ai l'impression de jouer à la demi-trophée. Alors que pas du tout, pas du tout. Détendez-vous, pas du tout, les gars. On est vraiment à bas niveau. Tac. On l'a one-shot. Ouais, les copains. Mon Dieu, mais que le nombre de kills qu'on a fait avec le frérot, franchement, je me suis trouvé pas mauvais, les gars. Sincèrement, j'espère que vous voudrez l'épisode 2 sur cette session. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et oui, j'ai encore envie de jouer, je sais bien. Je sais que ça se ressent, là. Vous dites, tonton, il va nous faire une vidéo de 4 heures. C'est pas faux, les gars. Mais c'est pas le but non plus. Voilà, on a 37 299 trophées. J'ai promis les 40 000. Heureusement que Squeak sort, ça va m'aider. Parce que la petite belle, elle commence à être assez haute. Moi, je vous fais des gros bisous à tous, n'hésitez pas à les suivre, mon petit Aluxi. Ça fait plaisir, c'est la famille. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.